vous connaissez son palmarès et l'acuité et l'exigence que vous avez du métier. C'est l'acteur studio, quoi. Vous allez dans les barguets en immersion pour bien interpréter notre personnage dans l'auberge espagnole. Vous faites de la boxe thaï pour haute tension. Vous apprenez la guitare pour se ressourire. Et là, logiquement, vous avez l'exigence d'être une parfaite pianiste pour ce rôle-là aussi. Oui, tout à fait. Et Albert Dupontel, lui, a également fait une énorme préparation en équitation. Ouais. Bon, c'était déjà un très bon cavalier. Mais toutes les cascades qui sont dans le film, que vous pouvez voir, sont effectuées par lui-même. Il n'est pas du tout doublé et c'est très dangereux. Donc, du coup, ils ont tourné ces scènes-là à la fin du tournage. D'accord, pour être sûr que. Mais c'est complètement dingue c'est vraiment bluffant ce qu'il fait. Mais tous les deux, vous êtes incroyables. Alors, dans l'interprétation et dans la rigueur et dans le travail et l'exigence, encore une fois, que je disais. Alors, nous avons ici des jeunes, Maïssa, Milad, Christine notamment, qui vous interrogent. Cécile de France, ils ont envie de découvrir aussi le film, comme nos auditeurs, j'espère, un film qu'Europe 1 est très fier de soutenir. Et ils sont là pour vous interroger sur votre vie, sur votre métier d'actrice également. Milad, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Allez, première question, c'est toi qui ouvres le bal, on t'écoute. Quels sont vos prochains projets ? Ah déjà, à tout de suite, toi, l'avenir. Bon, très bien, bah, on y va. Hein. Bah, c'est une très bonne question, parce que je ne sais pas encore quand sortira un film qui a été fait aussi cet été, juste après le tournage de En Équilibre, un film qui s'appelle La Belle Saison, de Catherine Corsini. Et voilà, qui se passe dans les années 70, il y a Izzy Higelin, Noémie Lovski. Et voilà, je joue une militante féministe qui a une histoire d'amour avec une jeune fermière qui vient à Paris et puis après elle m'emmène dans le Limousin. C'est un film très solaire, très... Je ne l'ai pas vu, alors je ne peux pas trop en parler, mais je pense qu'il est très très fort, très émouvant. Christine, tu as une question pour Cécile de France. Bonjour Christine. Bonjour. Aimez-vous faire la promotion de ce film et passer dans les médias? Ah, alors, c'est un gros travail. Quand j'ai décidé de devenir comédienne et que je suis devenue, j'étais très heureuse. Et puis, j'ai découvert une partie du métier auquel je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, à force, voilà, en fait, on se dit, ça fait partie du boulot. Et puis, ce qui est agréable, c'est de se dire que pendant 2 mois, en général, un tournage, ça dure 2 mois en moyenne. On est toute une équipe, on est ensemble pour raconter une histoire, on a un investissement personnel de chaque membre de l'équipe très très forte. Et quand le film sort, en fait, on a tout simplement envie qu'un maximum de gens aillent le voir. Donc je considère que faire la promotion d'un film qu'on aime, ça fait partie, c'est dans la continuité de mon job, on va dire.